Ça rappelle la guerre des roses, célèbre film des années 80, me semble-t-il, où il y avait cette prise également. Et Mickey James qui attrapait les cordes et l'arbitre oblige Nia Jax à casser la prise. On voit la déesse qui est inquiète à l'extérieur. Elle est pas rassurée pour sa copine. Bah oui, et surtout elle se projette. Elle se dit, si Mickey James tombe, elle subit un tel sort, c'est ce qu'elle risque de subir dans quelques jours à Extreme Rules, dans un match qui sera d'une violence inouïe. Mais attention, hein, ne sous-estimez tout de même pas Alexa Bliss. On se souvient de ce matraquage sur la pauvre Bayley avec les kendo sticks l'année dernière. Elle est capable d'être extrême, Alexa Bliss. Et elle va le prouver à Extreme Rules. Avec Ronda Rousey ou non, au premier rang. Elle va l'emmener. Regardez Mickey James. Ça part en powerbomb là. Elle retombe sur ses jambes. Un acai kick dans le genou. Et je remercie Obscuros, la chemise de Nadir. Noire, dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse. Oh, elle lui a chopé le pied. Le mic-kick contré, une gifle. Oh là là, quelle salade de phalange. Une deuxième. Non, elle va l'emmener. Ouais, c'est le powerbomb ça. Mickey James. Ça respire le powerbomb. Mickey James. C'est un powerbomb. Explosé au centre du ring. Mickey James. Alexa, regardez, qui monte. Alexa, la solidarité féminine. Attention à la Maria. 3, 4, qu'est-ce que vous comptez, le compte, elle aurait pu faire le compte au moins 3 fois à la Nia Jax si l'arbitre n'était pas focalisé sur Alexa Bliss. Elle apporte maintenant sur les épaules Samoa Drop. 1, 2 et 3, victoire de Nia Jax. Elle est prête, la force irrésistible. On se fut compliqué ce soir, c'est vrai. Mais dans un match sans règles, Nia Jax sera certainement à son avantage. Alexa Bliss doit commencer à trembler. Dans 10 jours, en effet, dans la nuit du 15 au 16 juillet à 1h05, Alexa Bliss affronte Nia Jax dans un combat Extreme Rules. J'ai l'impression que Kurt Angle, qui sera dans sa ville natale, Pittsburgh, en Pennsylvanie, a décidé de faire plaisir aux personnes qui se déplaceront au pay-per-view Extreme Rules, puisqu'il nous procure des matchs incroyables. Alors va-t-il continuer à en